basak dila basak dila batelish bakunanga balonji bakajomba ka RTNC. Toa sakidila mwane tu jetu luke bakweno bakutu peshe jiyi tu ujibika la tu sanganyibwa kuluseka lwa tuba jitu akulu tu amasalai tu amunda mwale tuba jako ngote demokratik munu mkominu wa Gombe mwaba ujimijimu ni chakutungunuka ya kulumbulisha bampulushi bafubika la bakwa chikwa mchulumbu cha lufu lwa Olivier Mpunga mwubika la bashajika semobu fuku bwa matukujikumi ni asambo mbu bivwa mtukujamuji na hii bwa kuchamuji tano jama tukujikumi na mwanda mtegeta bafabika la bakwata Olivier Mpunga Chimanga baya nenda kuluseka lwa ipe krim nungu bamana kumutu tabiko la kuina kulusekeku walukufwa mpashisha nungu yonswebi bavwa banshu kukwata bampulushi banai bavwa bika la mchina chilumbo echi wakumpala uvu bika la bakwata uvumika la mupepe samwani, uvumika la commissaire supérieur principal Bruno, ukwata muibiji, uvumika la chongo, omaongo Morgan, mpulushu misatu, uvumika la bubakwata, uvumika la nzita mananga Crispin, mimwinai, uvumika la kuchibi, uvumika la mukoko jamasivi. Bonso banai, pati tuakula papa jibika la sangi wa monsanji, mkujitu kujama kelela, yuvwa jitu kuja kumpala juvubika la batu ajijambu wakumona mshindu wakulonga china chilumbu echi kuneku kutubaji tuwa masalai tuwa munda mwajitunga jakongo demokratika nukubonsu banai bafabika la bima na kumpala kwa pakulumpa bako shibansambu babasalai bamu bakulu kutubaji kutuwa tuwa kumutu tuwa basalai nukubafabika la bima na nukwewu bika la batu ampanda kujibaku ijibabu ani bafi di bamilu bafi bamibelu nku bafi kala banshu jitenja ki chitu pacha kumpala bafi kala jitenja baleja province jubika la baleji wa baleja tulasa tujubika la benza anu mujo chitu kucha kumpala ni tunu vija kabyo kwase bafi kala batangela mumishindu vubika la bakwachila Olivier Mpunga Chimanga mwikala mushiana ni biapa buloba nuko mu bafika la banji kutoa tulondo ku umani umwa kwa kumanya se colonel supérieur principal mu PP Samani Brino yeye kuvumika la manje mwa kidila anyumika la bamubiki la kunshinga kuji Simon Ikamba ujumika la mufunda Olivier Mpunga Chimanga tubaji tabasalai tabwe dipinjo mwa botu bika la sanganye bwanuko Simon Ikamba uvumika la mufunda bwase Olivier uvumika la mwata kajendera ndi la kenda kina kanka vumia kushia muntu kuchipolo chandeka ni pashisha uvumia ukashia mwabaka mpanda mwabu uvumika la mwupesha imwapetu kekwenzi la majingenda ba koshiba ansambu baba salai bakwe jimpinge mwabu uvumika la tanganyibwa mbwena kwamba se mfunsa tukesemo midimu ajini cha kutu ajisha wase lelwe umutu kujibiji hibi ikala kabiji mwakulungili la china chilumbu iti anubwa setuga jitu muna mshindo akupeta butoka opa mshindo uvubi kala bakwata Olivier Mpunga Chimanga mumi shindo ifumi kala mufika kujipeta en general la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ces jours. Commandant police d'audience, adjudant-chef Mbaya Chitu. Ah, votre ordre, mon général. C'est Olivier Mpunga Chimanga, au moins je ne vais pas prendre un ninja. Veuillez vous asseoir. Seka mochi to pachichika lusdangila jisenga jabilumbu munda bali to kajetu bali bi kana balonja balon sumulai akuleja se muntu yosu ai ban pulush bali bi kana nuko kokeshu wa kuko ata muntu tajike kumufikisha kunju ya lufu nashi bali mu akumu kwata mulumbulisha mucha mulu abuseka kwa ngata minjo mikanda yosu kutuma kujibantu bali bi kana nuko keshi wa kumuna mushindo wa kujandula chile majiri muntu mwenza ni kumufunjila buloku kutubwika kukengijiwa kuchiku makwensa kubion swebi ni chikala makubila l'audience de la cour militaire de séjour est reprise.
Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'excès de rôle. Excès de rôle. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, c'est mardi 21 décembre 2021, en forum dans l'enceinte du nouveau palais de la justice, commune de la Gombe à Kinshasa. Affaire en continuation 1. RP numéro 247/21. En cause, Odumil Sup, ministère public et parti civil, Chibanda Kachama, Kalombo Chibanda et Muleba Chibanda. Contre le commissaire supérieur principal Mopepe Samwani Rino, commissaire principal Chongo Onanguelo Morgan, commissaire Zita Mananga Christin, et le brigadier Diamassidi Mukoko Benino, revenu de torture ayant entraîné le mort. C'est à Kinshasa le 21 décembre 2021, Sophie Kilo, le Jetou Major, préfet du siège. La Cour appelle la cause. Enrôlé sous RP numéro 247/221. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public et parti civil, contre les prévenus. Mopepe Samwani. Décoiffez-vous. Prévenu Tiongo Onanguelo Morgan. À la barre. Décoiffez-vous. Prévenu Zita Mananga Crispin. Revenu Diamassidi Mukoko Benino. Tous prévenus de torture ayant entraîné la mort. Vous êtes certainement assistés. Où sont vos conseils? Selon l'ordre de préséance. Oui, monsieur le président, effectivement, selon l'ordre de préséance. Pour le colonel Mopepe, c'est maître Christian Soutière, avocat au barreau de Kinshasa, Matete et de Kwilu, conjointement de... Conjointement avec maître Lodi Durand, avocat au barreau près de la cour d'appel de Kwilu. Conjointement, maître Issamba Nguissé, je suis avocat au barreau du Congo central pour le colonel Mouté. Monsieur le président, pour le major Songo, le capitaine Songo, maître Jean-Paul Mbouli, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je comparais conjointement avec maître Landry Pongounia du barreau de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Conjointement maître Issamba Nguissé, avocat au barreau du Congo central. Maître Yayama Kimbengi Augustin assiste le prévenu. Le commissaire Ndita.
pour le provenir d'Yamassi. Votre honneur, j'assiste également le prévenu Yamassi, Maître Yayama Kimbengi, avocat barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Makete. Terminé pour la défense. Le conseil de la défense terminé. Partie civile. Merci, votre honneur. Pour la partie civile, Maître Yves Mwekasa, avocat barreau de Kinshasa Makete, conjointement avec Maître Ngalula Kaunga Jean-Pi, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kwilu, conjointement avec Maître Jean-Simon Mukenga, avocat au barreau de Kinshasa Makete. C'est pour le compte de qui? Parce que, après tout, on nous a fait savoir qu'il y en a trop. Conjointement, Maître Benjamin Bukako, avocat. Centrale. Et la partie civile. Monsieur le Président, il y a la partie civile qui veut se constituer sur le banc, l'ONG ARAL, Alliance, Arche de l'Alliance, veut se constituer partie civile sur le banc. Ce que je vois ici, Tibanda Kachama. Qui représente Tibanda Kachama? Maître Roger Boulaboula. Maître Roger Boulaboula. Barreau de Kinshasa Makete. Pour les trois parties civiles. Oui. Kalombo Tibanda. C'est Tibanda Kachama. Présentez-vous, maître. Je suis le grand frère d'Olivier Mpunga Tibanda. Vous êtes assisté par oui. Maître Louis Moise Chibouaboua, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Makete. Vous êtes seul? Il y a aussi Maître Hilaire Moulamba. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Makete pour toutes les trois parties civiles. Pour les trois parties. Partie civile Mouleba Tibanda. Il n'est pas là, il est représenté. Monsieur le Président, il y a trois parties civiles que nous représentons. Je crois que la feuille, les noms ont été déposés. Au greffe. Il y a Olivier, tout d'abord, le père biologique du défunt, les frères aînés du défunt et le petit frère. Je crois que les noms, ça se trouve chez Madame la greffière. C'est bien noté. L'État congolais, civilement responsable. Civilement responsable, comparé et représenté par ce conseil, Pungu Yudi, avocat barreau de Kinshasa Makete, je comparais conjointement. Maître Félix Kalema, avocat barreau de Kwilu. Maître Sylvain Dioro Olongo, avocat au barreau du Congo central. Maître Prosper Omombo, avocat au barreau de Kinshasa Makete. Vous êtes au nombre de quatre. Hein? Nombre de quatre. Civilement responsable toujours. Hein? Non, monsieur le Président. Nous avons demandé que nous puissions consigner sur le banc. C'est pour compte de la partie civile, l'ONG de défense des droits de l'homme, ARAL, Alliance, Arche de l'Alliance. Vous avez fait, vous êtes constitué partie civile. On le constitue sur le banc. Sur le banc. D'accord. Et vous représentez quelle partie civile?
l'ONG de défense des droits de l'homme Aral. Vous êtes à deux. Non, non. J'ai plutôt une observation relative à cette constitution de partie civile de cette ONG. Il est vrai que c'est une personne morale et que les éléments d'appréciation de sa capacité de pouvoir se constituer partie civile sont objectifs. Peut-il ou peut-elle, l'ONG, soumettre à votre appréciation et aux nôtres les éléments objectifs d'appréciation, notamment la personnalité juridique et les statuts? Voilà ma préoccupation. On ne vous a pas bien suivi, maître. Parlez un peu fort, devant le micro. Ah, ok. Je disais, monsieur le président, que c'est d'abord pour le prévenu Morgan Chongo, maître Landry Pongounia. Je viens de suivre, comme vous-même, la constitution de la partie civile d'une personne morale, ONG, Arche de l'Alliance. Alors, nous sommes préoccupés de savoir si cette partie a toute sa capacité juridique de pouvoir se constituer partie civile, parce qu'il s'agit d'une personne morale, il faut des éléments d'appréciation objectifs, notamment les statuts, ainsi que l'arrêté lui accordant personnalité juridique. C'est ce que nous demandons. Je vous remercie. Vous avez anticipé sur les questions que la Cour devrait poser à maître, comment il s'appelle encore? Arche de l'Alliance. Arche de l'Alliance. Monsieur le Président, pour le camp du prévenu, le colonel du PP. Monsieur le Président, dans ce même sens, nous avons quand même une préoccupation par rapport à la constitution de la partie civile de cette ONG. Monsieur le Président, au-delà de ce qui vient d'être dit de l'autre côté, nous voudrions bien que cette partie prétendument civile puisse vous brandir aussi le mandat lui donné par l'ONG qu'il entend représenter, en plus de tous les actes constitutifs, notamment les statuts, ainsi que la personnalité juridique, le F92, etc. Parce que plus loin, il faudra aussi qu'il puisse démontrer son intérêt dans cette cause, nous avons dit. Statut et procuration. Oui, monsieur le président, monsieur le président, nous avons les documents avec nous. C'est pourquoi nous avons dit nous déposons au greffe, séance tenante, tous les documents irrelatifs, notamment nos statuts, règlements, le mandat qui nous accorde ce pouvoir de pouvoir intervenir en justice, et puis les agréments. Nous en avons. Statut et puis procuration. Thank you.
Oui, vous avez pris connaissance des statuts, et de la procuration exhibée tout à l'heure par les représentants de l'ONG Arche d'Alliance. Les statuts. De quel parti? Le colonel Moupépé. Ah, pour le compte du colonel du prévenu Moupépé. Oui. Monsieur le Président, s'il faudrait réagir à chaud, le temps pour mes estimés confrères de s'imprégner de ces statuts. Monsieur le Président, en face de nous, nous avons une procuration qui comporte en elle plusieurs irrégularités. Monsieur le Président, lorsqu'il faudrait venir présenter une personne morale, la personne qui est en train de donner mandat doit préciser l'acte lui donnant ce droit de donner mandat. Dans cette procuration, nous sommes en train de voir, il est inséré un dénommé Kassala Madila Célestin, administrateur gestionnaire de l'ONG. Il ne dit pas s'il agit sur base de quel acte, sur base de quelle décision, parce que tout cela devait être mentionné ici. Il n'y a aucune adresse de l'ONG, il n'y a rien. Et toutes ces irrégularités, pour nous, on pense que ces documents étaient confectionnés, on sait par qui. Déjà le temps pour nous aussi de vérifier dans les statuts et aussi de vérifier le document donnant mandat à celui qui a donné mandat au conseil de se présenter à l'audience de ce jour. Monsieur le Président, nous pensons que nous allons en tirer des conséquences au moment important. Nous avons un jour. Monsieur le Président, nous voulons quand même renchérir par rapport à la fameuse procuration. Seulement, en regardant la procuration, votre cour va constater que c'est une procuration qui n'est pas spéciale. C'est une procuration ordinaire. Et nous pouvons faire la lecture de la procuration. Procuration spéciale. J'ai soutenu Kassala Madila Célestin, administrateur gestionnaire de l'Organisation non gouvernementale de défense des droits de la personne humaine, Arche d'Alliance, ARAL en sigle, donne par le présent mandat et pouvoir au maître, je m'arrête seulement là, il n'y a pas le pouvoir de substitution. Donc s'il faut examiner une procuration spéciale, cette mention doit être reprise dans une procuration spéciale. C'est comme le confrère venait de dire tout à l'heure, en réalité, votre cour, parce que c'est votre cour qui va finalement décider de recevoir l'action civile de cette ONG, mais les irrégularités comme relevées tout de suite, dont nous sommes en train de compléter, est démontrable. Donc votre cour va constater que c'est une procuration ordinaire et non une procuration spéciale. Nous avons dit. Et nous allons tirer les conséquences quant à ça. Merci, Monsieur le Président. Je veux toujours revenir sur la procuration spéciale. Comme les autres l'ont dit, il n'y a pas d'adresse. Parce qu'une procuration spéciale, Monsieur le Président, doit renseigner à son sein les éléments relatifs à la capacité d'agir ou de fonctionnement de l'ONG. Il n'y a aucune référence sur la capacité, sur la personnalité juridique, sur le FNONANDU, rien. Donc c'est un simple papier qu'on a confectionné ce matin, peut-être pour déranger la procédure, pour l'instant. Merci, Votre Honneur, surabondamment. Nous venons de compléter les statuts déposés par l'ONG Arche d'Alliance. Nous sommes rendus compte que
C'est un document qui n'est pas notarié. Il n'y a pas d'acte notarié. L'acte notarié devait être annexé. Bon. En photocopie libre aussi. Et puis, concernant le mandat, la personne qui a donné procuration au confrère, il s'appelle Kassala Madila, il est administrateur gestionnaire. Et dans les statuts, on dit que celui-là, c'est le représentant du coordinateur, et il agit en lieu et place du coordinateur lorsque le coordinateur est empêché. Mais aussi, votre honneur, dans les attributs, dans les statuts, il est repris que il y a tout un bureau qui s'appelle coordination. On n'a pas parlé du coordinateur là-bas. La coordination. Et cette coordination n'a pas mandat d'ester en justice par rapport aux missions qui lui sont reconnues par les statuts. Donc, étant l'acte créateur même de cette ONG, nous estimons, votre honneur, que ni la personne qui a donné mandat, ni le mandataire ne peuvent ester par devers votre cour, nous avons dit. Monsieur le Premier Président, avant toute chose, je dois d'abord m'excuser pour ce léger retard avec lequel j'arrive devant votre auguste cour. Je fais acte d'abord ma comparution. Maître Étienne Lomela, je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. J'interviens conjointement avec mes prédécesseurs pour le compte du prévenu Moupépé. Je voudrais surenchérir. Lorsque nous sommes devant une cour comme la vôtre, il y a des règles matricielles qui doivent être observées, les règles de l'art. Et lorsque nous lisons la procuration spéciale, elle n'est spéciale que lorsque elle doit indiquer le numéro du rôle de l'affaire. Parce que chaque dossier a un nom. Et le nom du dossier, c'est le numéro. Et la Cour suprême de justice, en son temps, a décidé constamment qu'une procuration qui n'indique pas le numéro du dossier et qui n'indique pas de façon sans équivoque le nom de parti à l'instance, est général et n'emporte pas transfert de mandat. Et nous sommes dans les cas sous-examen. Vous avez une procuration spéciale où l'on vous dit de se constituer partie civile et postuler pour dommage intérêt parce que nous sommes peut-être à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a des gens qui sont appelés par les libres pour jeter de l'argent, fonctionner l'État congolais. Pour postuler pour dommage intérêt pour les comptes de l'ONGD Arc de l'Alliance dans l'affaire en flagrance ministère public et parti civil contre Moupépé et consorts. Il se pose un problème. Il se pose un problème. Dans quelle affaire, devant quelle juridiction? Parce que la juridiction doit être définie dans la procuration spéciale. La juridiction dont l'affaire est pendant doit être mentionnée dans la procuration spéciale. Ni la juridiction, ni le rôle pénal de l'affaire, ni le parti est identifié. Sans aucune équivocité, cela ne transparaît pas. Alors qu'il s'agit d'un mensonge substantiel qui laisse paraître le caractère spécial d'une procuration. Donc, monsieur le Premier Président,
honorable membre du CIEF, monsieur de l'accusation, vous allez vous rendre compte qu'il se pose un problème de la loi. Et les juges, dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 150, alinéa 2, de la Constitution du 18 juillet 2006, telle que révisée en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11-002 du 20 janvier 2011, n'a d'autorité que la loi dans l'exercice de ses fonctions. Donc vous allez voir, nous sommes en face d'une imposture, et parce qu'il s'agit d'une imposture, vous allez appliquer la loi dans toute sa rigueur, conformément à l'article 153, alinéa 4 de la même Constitution. De un, de deux, je suis en face des statuts. Les statuts qui vous sont produits sont des statuts en photocopie libre. En photocopie libre. Et nous sommes devant les juges pénal. Et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont décidé, encore une fois, constamment là-dessus, qu'elles ne sont pas probants tous les documents produits en photocopie libre devant les juges. Surtout lorsqu'ils sont contestés par l'une des parties à l'instance. Donc, quand vous prenez la Cour suprême de justice, il a décidé constamment encore une fois, que pour prouver la qualité d'une personne morale, il faudrait qu'il soit produit au débat des statuts et des actes modificatifs certifiés conformes aux originaux. Donc, monsieur le Premier Président, honorablement du siège, vous êtes en face d'un document contesté, et lorsque le document est contesté devant le premier juge, il ne peut pas produire les effets juridiques escomptés. Et que dans ces conditions-là, conformément à ce que mes prédécesseurs ont soutenu, sans embâche par des vérifous, nous allons demander à votre auguste cour de prendre des responsabilités, de prendre une décision de qualité pour que cette imposture s'efface immédiatement devant vous. Nous en voulons. Bien. Oui, monsieur le président, je voudrais faire acter ma comparution pour les comptes. Du prévenu mon pépé, maître Jorin Onokoko, du barreau de Kinshasa Matete. Bien. Faites acter votre comparution. Je vais également faire ma comparution. Maître Christian Kanvunze, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Pour le prévenu mon pépé. Pour le prévenu mon pépé. Oui, monsieur Christian. Maître. Aussi pour le prévenu Moubépé, maître Michel Djeké, avocat au même barreau. Pour le prévenu, le compte du prévenu Moubépé. Voilà, monsieur le président. Oui. C'est fini. Oui, c'est terminé. Oui, au-delà de tout ce qui vient d'être dit tout à l'heure, oui. Nous voulons faire observer à votre cour que vous allez constater les statuts produits n'est même pas accompagné soit de l'EFNONANDE pour voir le début de la création d'une ONG, parce que les ONG au Congo est réglementée par la loi de 2004. Et donc, les statuts ne suffisent pas. Ils sont au début de la procédure de la création d'une ONG. En réalité, ils ne sont pas encore ONG. Parce que la composition de leur statut est accompagnée à aucun acte juridique, notamment l'EFNONANDE ou bien l'arrêté du ministre de la Justice. Pour leur permettre, n'est-ce pas, d'engager cette ONG vis-à-vis des tiers. Donc, hormis l'observation qui vient d'être faite ici, que c'est un statut en photocopie libre, mais les actes juridiques qui leur donnent qualité de représenter cette personne morale en justice n'y est pas, n'est pas annexé au-delà de ce qui vient d'être dit par rapport à la population soi-disant spéciale. Quand nous avions dit que c'est une procuration ordinaire, faute de mention dans la loi et les autres sources de droit obligent.
qui doit être dans une procuration spéciale. Donc nous allons, dans le cas d'espèce, tirer les conséquences du droit plus tard. Monsieur le Président, oui. Pour les deux prévenus, le capitaine Morgan et le colonel. Monsieur le Président, je reviens encore au-delà de tout ce qui vient d'être dit, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Monsieur le Président, la procuration spéciale qui transpire devant moi comporte une irrégularité criante qui emporte même la constitution de cette partie. Monsieur le Président, la personne qui donne mandat ici, c'est Monsieur Kassal Amadi La Sénesta, prétendu administrateur gestionnaire. Mais je suis dans les statuts. Dans les statuts, on dit que l'article 20 de ces statuts, la personne qui devrait représenter cette ONG, c'est son président. Et à la fin, on est en train de déclarer les différents comités directeurs. Et ici, la présidente, c'est Madame Kapinga Mwantoum. C'est cette personne qui devrait en principe donner ses mandats. Parce que M. Kassal Amadi, là, ne justifie pas le pouvoir lui donner. En l'un de tout ce qui précède, M. le Président, qu'est-ce qui reste? Du néant, rien ne peut ressortir. Vous allez juste demander à cette ONG. Il ne faudrait pas qu'on récupère une situation. Non, nous sommes en train de travailler ici. Si on peut demander à cette ONG de se retirer, comme ça nous allons procéder. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous emploie dans une démarche perdue d'avance. Nous avons dit. Bien, la Cour ne voudrait pas s'éterniser, s'attarder sur cet aspect des choses. Maître, le représentant de l'ONG Arche d'Alliance, où est-ce que vous êtes? Sans la personne. Où sont les originaux de vos statuts? Monsieur le Président, nous avons les originaux et même bien avant la fin des audiences. De même que l'acte. On peut les produire. Nous sommes en matière pénale ici, tout ce qui a été développé ici comme littérature, Monsieur le Président. Nous disons que toutes ces exceptions sont en matière pénale où la preuve est libre. Et nous sommes devant les juges. Tout est soumis à l'appréciation du juge. Nous sommes par devant vous, personne n'a produit. Non, parce que les statuts que vous avez produits, c'est en photocopie libre. Où sont les originaux? Les originaux, bien avant même la fin de la session, on va les déposer. Vous avez quel intérêt à postuler des dommages d'intérêt dans la présente cause? Nous allons les démonter, M. le Président. Nous allons les démonter si vous nous accordez. Nous avons l'intérêt pour... Non, la Cour vous pose d'emblée cette question. M. le Président, sans parole, on ne peut pas arriver à démontrer notre La victime intérêt. Était-elle membre de votre ONG? Vous dites. Quelle relation avez-vous avec la victime? Proche de notre ONG. Proche seulement. Proche de notre ONG, parce que nous sommes en train de nous battre, M. le Président, pour... nous sommes dans la lutte contre la torture sur l'étendue de la République. C'est notre mission spécifique. Et la personne qui est morte de suite des tortures. M. le Président, cette personne, nous allons le démontrer au cours de cette audience, qu'elle est proche de nous, ONG que nous sommes. Et nous allons le démonter. Si vous ne l'accordez. Maître, veuillez vous retirer parce que vous ne remplissez pas les conditions pour postuler dans la présente cour. Veuillez vous retirer. D'accord. Bien, la Cour suit l'instruction de la Cour. Prévenu mon pépé. À la barre. Nous avons besoin du prévenu. Prévenu mon pépé à la barre. Les conseils. Où sont les autres prévenus peuvent avancer. Police d'audience. Aligné va prévenir tout le monde à Bango. D'abord va prévenir. Par conseil Nabango va à la Nassima. À 1 mètre. 1 mètre, parce qu'il faut respecter les mesures barrières relatives à la distanciation. Il faut bien porter votre cache-nez.
revenu mon PP. Président, monsieur le président. Le ministère public risque les témoins ou les renseignants qui étaient invités à venir témoigner devant la cour, est-ce qu'ils sont dans la salle? Témoins ou renseignants? Monsieur le Président, hier nous avions suivi attentivement quand les prévenus étaient en train de solliciter que viennent déposer les témoins qu'ils ont cités. Et nous voyons au greffe là qu'on était en train d'acter. Nous étions certains que parce que après l'audience d'hier, pour le reste des audiences, on va recourir à la procédure normale. Donc c'est à partir du ministère du greffe que les témoins devaient maintenant déférer devant la cour. Je pense que nous aussi nous allons être curieux de savoir si le greffe a vraiment exercé son ministère, si le greffe a procédé aux espoirs de sorte que les témoins viennent par devant la cour. Bien. Revenu mon PP. Confirmez-vous avoir reçu l'ordre de votre chef, le général Awashang, de mettre aux arrêts toutes les personnes qui étaient impliquées dans la mort du sieur Hervé Mpunga? Bien sûr, monsieur le président, le général nous avait dit d'envoyer au parquet tous les dossiers. Tout le monde d'envoyer au parquet. Et le plénière qui était présent avec ses avocats. Vous avez arrêté tout le monde qui était impliqué dans la mort de Hervé Mpunga. Vous avez arrêté tout le monde? Non, pas tout le monde, parce qu'il y a des policiers. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Quand on a su le cas de torture, c'était en retard. Tout le monde était déjà parti. On était resté avec l'OPJ. Même les Diamasibi, c'est après les parquets que nous avons commencé à rechercher, après avoir vu les images. C'est ainsi jusqu'à l'instant, vous voyez, il y a d'autres policiers qu'on n'a pas retrouvés. Il y a des équipes sur le terrain en train de rechercher. Comme qui, par exemple, qu'on n'a pas retrouvé? Et il y a Toumba qui était chef de poste. Brigadier Toumba. Brigadier Toumba qui est chef de poste. Et il y a encore d'autres qui l'a cité. Qui? Mbemba. Mbemba, il est où? Il est trouvable jusque-là. Bouchaba. Lui également aussi. Il n'a pas été arrêté? Non, non. Alors que vous devriez le faire? Oui, oui, on était en train hier, parce que c'était le week-end qu'on a retrouvé l'autre. Parmi les personnes que vous devriez arrêter? Oui, oui. Le chauffeur de M. Ikamba. Oui, le chauffeur également. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Mais quand on a su ça, il était déjà parti. Quand on a vu les images, il était déjà parti. Il n'était plus avec nous. Sinzita nous avait certifié le même jour qu'on avait torturé, le métier était sorti dans nos enclos, on allait directement mettre la main sur ces gens qui étaient sur place. C'est au parquet qu'on a su, on a vu les images,
Et de là, le procureur m'a dit, il faut rechercher tous ces jeunes gens. On a directement arrêté Nzita. Et moi, quand je suis sorti, j'ai commencé maintenant à retracer, rechercher, envoyer l'équipe sur le terrain, rechercher. Quand on a eu Diamassivi, le reste, l'équipe sort sur le terrain en train de rechercher. Parce que moi, hier, venu au bureau, je planifiais, mais moi-même, on m'a rappelé ici. Alors, l'évolution, jusque-là, je ne sais pas. Mais le général sait qu'il y a des équipes sur le terrain en train de rechercher. Vous avez déclaré hier que la nouvelle du décès de Ruben Punga, c'est le commissaire principal, commissaire supérieur principal, Jerry Bokomo. Et vous en avez tenu informé. Tout à fait, monsieur le président. J'étais à la maison le matin, endormi d'ailleurs. C'est là où j'ai vu son coup de fil, très tôt le matin. Il est mon collègue, chef de département, ressources humaines. C'est lui qui m'appela pour me dire, quand j'ai décroché son téléphone, il me dit, mais je suis au bureau, il y a un cas de décès ici, si tu peux venir. Et vous avez établi un rapport bien à sûr. Ce sujet et vous avez promis de verser ça au dossier. Où se trouve le rapport que vous aviez établi? Oui, monsieur le président, mon rapport, je l'ai fait au général le jour suivant et j'ai introduit. Quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé le commissaire Bokomo qui avait, sur ordre du général, appelé le procureur qui lui a envoyé un magistrat sur place ainsi que la police scientifique. Alors, arrivé au bureau, précisément, au lieu où la victime avait trouvé la mort, vous l'avez trouvé dans quelle position? Pour curiosité, je suis quand même rentré pour ne pas dire que je suis resté dehors. Je l'ai trouvé pendu avec son pantalon jean attaché à la fenêtre. Vous l'avez trouvé en position de quelqu'un qui s'était pendu? Oui. Vous avez signalé ça dans votre rapport ici. Oui, le rapport est devant vous. À part cela, vous n'avez pas trouvé, d'autres traces sur lui, sur son corps, indiquant qu'il s'était pendu. On n'a pas eu, nous, le temps peut-être de l'observer, sauf de le regarder peut-être un peu de loin. De le regarder de loin, parce qu'il y avait la police scientifique. Il n'autorisait plus personne d'accéder là-bas. Je les ai déjà trouvés sur place quand je suis arrivé. Alors, mais après, j'ai quand même eu à parler avec les responsables de la police scientifique. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais il a dit, mais est-ce que ces messieurs, on ne l'a pas torturé parce que j'ai vu des traces ici, de torture à la main. C'est là où j'ai eu la présence d'esprit maintenant de poser la question à l'OPJ. Accompagné du colonel Jerry, on a posé la question à l'OPJ pour savoir. Il me dit, c'est monsieur, on ne l'a pas torturé. Il a dit non. À deux, trois reprises, il a dit non. Il a dit non, le monsieur, on ne l'a pas torturé. Alors là où vous l'avez trouvé, il était seul dans ce cachot-là. Oui, il y avait deux cellules. Deux cellules, l'autre cellule, il y avait plus ou moins quatre personnes dedans. Que même l'un paie et toi avec lui. De l'autre côté, c'était vide. Il n'y avait que le monsieur lui-même. Mais et pourtant, le prévenu Nzita avait déclaré ici qu'on l'avait mis dans un cachot où se trouvaient d'autres personnes. Prévenu Nzita, à la barre. Lobby Oyebisaki. Cour militaire que Botchaki et Ruben Punga na kacho et si on a exagéré bah détenu Moussou na kacho vous avez qui au nombre de 4 à peu près Bingo le Bakirobi. Merci monsieur le président. D'abord enseignez-moi parole avant de voir n'a pas besoin d'échanger. Je fais 48 heures dans l'été. 48
pour comprendre ce qui souffle les hommes au bruit. Mais on répond quand même. Dans le pas quitté, c'est la chaki détenu na baninga moussou. Non. Après le sang de saïe, la salité de coup, la petite chef de poste de amico, à salam moussala naïe, la souka kiwana. Chef de poste à Zalakinan, encore rappelé. Tumba, wa tumba. Oh, les Ali, introuvable. Dans la nouvelle Olympique. Donc, au Kenda qui compte la cachot, il y a mon côté, au Tika qui est dans ma boque, il y a chef de poste Tumba. Tout à fait, M. le juge, puisque les Ali, la compétence naïe, la contribution naïe. Nous avons souvent juste l'audition. Après qu'on auditionne, nous avons essayé, état de chef de poste, Asara Moussala a continué, Moussala naïe. Aïe bin nega salaka, nega kumbaga batu, nega koti salakon na kasho. Alors, na tango bayaki koye bisayo, ou le baki izalinde brigadier tumba moutaki koye informe yo, c'est ça. Tout à fait. Que Hervé Mpunga a mis djembiki na kasho, c'est ça. Na tongo. Na tongo na ba à peu près 7 heures moins, dengue le baki lobi. Boyo. Ok. Yopé, on s'est transporté sur les lieux Nakashowana. Tout à fait. Tant qu'on est ici là, commandant, mon tour Samusaki, on a checké Nakasho, a couvert Nakasho pour nous l'habiter. Ah, c'est pas possible. A couvert une belle ligne. A bien évité. On a bien, non. Faut qu'il y ait un amour, Natala. On a vu ici réellement, qu'on a le bien et sa bongo. On a eu mon accueil, dit Otala. Benamoni. Comme on a qui est, dingue ou le bac en globi, kuti a midi mbi, c'est ça. Na mon a qui est, patron a dit. Le koromoka patron a dit, a kangi la kingo, le koromoussou, le bac en gila, la bativo de la fenêtre. Ah, le col a zalaki, a longola qui pantalon, c'est qu'il y a un slip. Sous-vêtement. Très sous-vêtement. Mes chemises, les allégoires. Mais pitié. Parce que moi, ma chaîne de poste, c'est plus ce qu'il y a. À l'attaque de chemise, à l'ongoli pantalon, à midi, mais chemise, il y a des alaki wapi. On a dit que ma chaîne de poste, c'est d'accord. Non, mais il y a des gens qui sont là, qui sont là. Au lobby, à l'ongoli qui pantalon, à midi, à kingo, à kangisi, à l'icolo. Voilà pantalon, c'est tout ok. À tout cas, il y a des sous-vêtements. Mais chemise, il y a des alaki wapi. Dans l'autre, il y a ou bien à porte à qui. Et à l'attaque de tous, oui. Mais chez Mise, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que quand à disposition, le chef de poste, amigo, a tient un cachot. Le reste, il y a un tagoué par le bas. Au côté, quand on a sous-vêtements, chez Mise, ils allaient quitter. Ils allaient quitter. Na pantalon, là, à l'ongolaki, né à midi, et mika kinango. Tout à fait. Est-ce que vous informez qui, colonel Mopepe, parce que colonel Mopepe, a pesa ki yo mutu, a chaki mutu wana na disposition na yopo wisambi sayo. Eske o informa ki preveni Mupepe? Chef na yo. Na informa ki ete pourquoi colonel Géry. Pese, information ongaye na colonel Géry, to sa gamo si le tambiman. Alors, automatiquement, colonel Géry, deva ni go benga kono Mupepe. Loko la yaya ni go benga siperien, a zo benga mnele siperien. Gana fandine, mais dossier wane utaki n'est pas émaillé, qu'on a nous bengaki directement, aux élicata, commissaire supérieur principal, Géry Bokomo a bengaye. Parce que le colonel Géry a dit, moutou a budgeté, moutou a salé l'eau pour mon côté, l'eau pour salé l'eau pour salé l'eau. Et ça correspond à mon côté. Là où tempéré, il y a beaucoup à bengaye, le colonel Pépé, à tous les gars, il y a eu un procureur. Il souffre à la baissière, la bien connaît, il souffre. Et pour dire, il souffre. Voilà. Bien. Parce qu'il était tout à fait normal que l'école a osé dire dossier à mon amour pour y a prévenu mon pépé, il fallait ou bien d'ailleurs informer, il faut s'abstenir qu'informer. Bien. Tango, Hervé Mpunga Bayaki, na M. Ikamba. La police. Bazaraki accompagné la policier Moko.
Zaya Solo ou bien Lukuta. Ngai personnellement na mwana kibou djete. Personnellement nga. Na ngite gazala kite me ngai komona na miso na mwana kibou djete. Et pourtant, lobby on dit maki yango, le baki que au cours de tourna qui ceux qui azagi na bagrade ou bien na mwana kibou lobby. Il y a massive confirmation de présence, il y a policier ou là. Il y a massive, prévenu, il y a massive. C'est au confirmé présence, il y a policier ou là. Tango, M. Ikamba Aye, Ayaki, la police, plaignant, na Hervé Mpunga, Oyawaki. Bazala qui accompagné la police Moko, le bâti Angolobia. Oui, mon président. Policier Wana ou Azalaki na grade ni. Azalaki na tenue à policier ou bien na civil. Bon, mon président, tant Ayaki, na na Yemoko plaignant, na policier, na chauffeur. Policier na Azaki en tenue. Na grade ni. Bon, le quoi Azaki Boutou, na mona qui est na nini moko pembe. Na bag moko pembe a dit dans. Pour Azaki Boutou. Nagrad, il y a adjudant. Oui. Yepe a beta qui agrimasaki Hervé Mpunga. Olivier Mpunga. Bon, le président. Yepe a beta qui est. Nanenge ba utaki. Si ba komaki, na conditionna ba butuana, biso tu yeba kiti na ba mezi na bande bayaki. Kokoma na bango, nanenga expliquaki lobi. Dès que qui est en bas, pour la menace, il y a un seul attendant qui est en poste pour la Zaki, il y a un peu de temps. Dès la Mawana, tout ce qui est comme Boana, tout ce qui est en haut pour la Colombie, pour la côte de la bureau. Tant que tu côté qui est en bureau, tu comme en bureau, la partie à bureau et à OPJ, dès ma camouille sur Eleka Kiwana. Nga na juif, tant aussi ici, OPJ a pèsé un ordre. Fungola et la Mawana, Nanzete, na Fungoli et en haut. Na 22 heures, qu'est-ce que wana? Wana le bâti en déjà l'obi. Boye. Mais Moutouna et Akour, ils allaient boye. Est-ce que le policier wana, yepe agrimasaki, Olivier Mpunga? Oui, yepe agrimasaki. Parce que toi, qui n'a pas agrimasi, il n'y a pas salaki en moi. Salaki mine, par exemple. Bon. Nagrimasi wana. Bon, nagrimasi wana, le coup, tout d'un qui va policier. Notre côté qui n'a qu'à si moi de l'ingé d'aïkona d'aïk chef de poste n'a occupé poste et entré n'a occupé plein d'abat dimension sous n'a qui n'a donc agrimassa qui est donc à bête occupé Olivier Mpunga revenu zita zongana na barge. On le voit qui n'a cours au lobby que M. Ikamba Salaki plainte. N'aille plainte ou en Isaliwaki. Peut vous promettre qu'il peut couper ça pour que la plainte ou en a cours. Plainte n'y a pas de dossier. Dossier n'est pas de la magistrat. La plainte n'a pas de catiwana. Plainte n'y a pas de dossier. Oui, il y a un dossier. Plainte n'y a pas de PV au Salaki P. Parce que on le voit qui au Salaki PV. Vous avez entendu. Oui. Olivier Mpunga, la PV. N'a pas qui auditionné. Ministère public. La plainte et le PV. La plainte et le PV, monsieur le président. Si avant de vous brandir la copie qui a été indiquée à l'administration, nous pouvons poser de petites questions pour prévenir Nzita. Prévenir Nzita. Au qui koyebi sa cour, ce qui plante n'est pas le bâtiment. Au yebi sa dissous au cours, plante y a monsieur Ikamba, et quand qui n'a administration. Date même. Ok. Merci pour la parole. En date du jeudi 16, vers 17h, des messieurs de Kambayaki, la plainte écrite à sa composante plainte naïe,
Jérôme, le conseil de permanence, la supplète. La Kélina, la secrétaire, pour réceptionner Ango, c'était déjà fermé vers 17h. La supplète, la tienne à Messa. La Lubina Ikamba, Fandana Soa, déclaration à Yo. À Lubinanga, la Sali Pressé, la Dosa Banquette, Yamutu Kanangai, mais la Bozonga, pour Ozoa, déclaration à Ngaï, du PV, la Bissaba. La Gardé Ango, la IPT, le 17, ce que le secrétariat est Fongwami. Puis c'est quand même déjà, parce que le 17, la Tongo, on a qu'il n'y a pas les gens. Maintenant, on a osé, pour avoir un peu comme ça, un peu comme ça, à Zakoya. La Zélie a été. Deux heures, deux heures, quelque, la suite pour le film, il y a un bébé. Alors, il y a un gâté, monsieur Ol, a écouté la plainte. À sa couille, il y a un peu à fond d'acquis. Ce qui est arrivé, oui, c'est le monsieur. Il y a eu une déclaration à elle, puis il y a eu une audition à la suspect, et puis le petit ordre, il y a eu une bataille à la question. Bien. Donc, les lots, au lingui, il y a eu sa cour, que Omonaki et Kamba deux fois, parce que l'objet n'a tout naquio expressement. Omonaki et Kamba mbala boni, mokola jeudi. Olobaki, Omonaki et Kaka mbala moko, au-delà à 22h. Lelo yebisaku. Omonaki et Kamba mbala boni jeudi le 16. Ok. La réponse de Boni. Il faut que vous compreniez que je suis toujours dans l'émotion. Oui, je suis toujours dans l'émotion. Il y a quand même mort d'homme, c'est la première fois que la Koudjara, quand même Kiwana. Vous avez suivi il y a quelques jours le président de la République lui-même l'a fait. Je suis ministre à COVID.